Bonjour à toutes et tous, donc je suis Jean-Marie Fortet, je suis membre de la commission Bibliothèque Verte de l'ABF, comme je pense beaucoup de personnes qui ont été interviewées, ainsi que Mélanie Le Torec de la Bibliothèque Municipale de Lyon. Pour ma part, je travaille dans l'enseignement supérieur et la recherche, donc à l'ABES, à Montpellier. Et cet après-midi, nous avons tenté de présenter, de la manière la plus synthétique possible, tout un ensemble d'enjeux autour du numérique éco-responsable, de la sobriété numérique et de la manière dont le numérique devrait respecter les limites planétaires et peut nous aider à respecter ces limites. Voilà. Bonjour, je suis Mélanie Le Torec, je suis responsable du développement numérique à la Bibliothèque municipale de Lyon. Et le 12 décembre 2023, je participais avec Jean-Marie Fortet à l'animation d'un atelier sur la sobriété numérique, le numérique responsable, dans le cadre des journées Bibliothèque en transition, organisées par l'ABF et la BPI. En effet, à la BML, depuis 2021, nous proposons un cycle de conférences autour de la sobriété numérique, de la low-tech, des alternatives au numérique. Nous proposons également des ateliers pour apprendre à réparer son PC, nettoyer son PC et s'acculturer aux bonnes pratiques du numérique. Pour les agents en interne, des formations autour de l'éco-conception des services en ligne, mais également des fresques du numérique, ont été proposées cette année. Et nous réfléchissons aux questions de mutualisation du matériel, car comme vous le savez, l'empreinte environnementale du numérique repose à 80% sur la fabrication du matériel. Et pour faire décroître nos émissions en gaz à effet de serre, il faut naturellement faire durer ces outils.